Les amis, laissez-moi vous inviter chez moi, Mini B-Boy, en 2003. Pourquoi en 2003? Parce qu'en 2003 est sorti un jeu qui m'a beaucoup marqué et que j'ai énormément adoré, que j'avais fait sur PlayStation 2 et qui s'appelle tout simplement 13. Évidemment, vous avez l'écran titre sous les yeux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mettez en 2K 60 FPS au minimum s'il vous plaît pour profiter de cette vidéo. Je tiens d'ores et déjà à remercier Microïd de m'avoir donné l'occasion et l'opportunité à travers cette petite OPSP sur ce jeu qui a vraiment, et c'est pas des fakes, bercé mon enfance. Parce que j'adorais le cel shading quand j'étais petit et j'ai adoré ce jeu là. Voilà, je l'ai tout simplement trouvé fou. On va donc recommencer ce jeu tous ensemble, évidemment. Et peut-être que je vais vous faire découvrir une belle pépite qui est sortie sur PC, PlayStation, évidemment, Xbox et Switch. C'est parti, let's go pour 13, la version remastered. Dans le mode campagne, vous avez le choix entre 4 difficultés, promenade de santé, agent de terrain, super agent et 13. Le niveau de difficulté le plus dur, sachant que Agent Terrain est tout simplement le mode normal. Qu'est-ce que 13? 13 est tout simplement une BD cultissime, sortie il y a énormément d'années. Désolé, je ne me suis pas assez renseigné sur ce niveau-là. Et pour être très honnête avec vous, j'étais pas le plus grand lecteur de 13. J'avais lu quelques BD, mais sans plus. Et ils en ont fait un jeu. Et comme je vous ai dit, quand j'étais petit, j'adorais le cel shading, je trouvais ça incroyable. Et là, bah voilà. Enfin, un remastered d'un de mes jeux de mon enfance, que j'avais fait sur PS2 à l'époque, est sorti. Et quel bonheur! La version remastered de 13 est sortie il y a de cela 2 ans. Néanmoins, c'était pas foufou. Et un autre studio a repris la version remastered et a remastered la version remastered. Et cette fois-ci, croyez-moi qu'il est beaucoup plus intéressant et il est quasi parfait à jouer. C'est une version qui garde l'authenticité de l'expérience qu'on avait vécue à l'époque, sauf qu'ils ont amélioré l'intelligence artificielle, le framerate, le sound design, etc., etc. Et d'ailleurs, le nouveau studio qui travaille dessus, Tower 5, a fait un excellent boulot. Je vais pouvoir le continuer et le faire tout simplement sur Twitch. Allô, Franck ? C'est Janet. Je viens de terminer ma ronde. Tu as encore besoin de moi dans le secteur ? Ok, je rentre au QG. On dirait que la journée s'annonce plutôt calme, hein ? Tu as vu la mer ce matin ? Mais qu'est-ce que... Attends, je te rappelle. Monsieur, est-ce que vous m'entendez ? Doucement. On dirait une blessure par balle. Essayez de bouger vos jambes. Allez, c'est parti. Vous pouvez marcher jusqu'au pick-up. Donc, vous l'aurez compris, on se réveille sur une plage. Je porte le numéro 13 tatoué sur le torse. Et je ne me souviens de rien, j'ai pris une balle. Je suis donc un agent qui est passé à 2 doigts de la mort. Et petit à petit, on va comprendre pourquoi. Et surtout, ce qu'il s'est réellement passé et ce qu'il advient de moi-même. On va donc suivre cette sauveteuse, littéralement. Elle vient de me sauver la vie en plus de cela. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer. C'est le tout début du jeu. L'hélicoptère, je me souviens. C'est donc le tout début du jeu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et le faire de votre côté, évidemment. Pour vous procurer un maximum de plaisir. Alors ça va qu'ils tirent comme des stormtroopers. Sinon je peux vous dire que j'étais à 2 doigts de mourir. Bon, apparemment, les pistolets, c'est vraiment pas fait pour eux. J'ai quand même pris une balle, je crois, dans cette histoire. Ma tête. Eh oh, ce qui fait qu'on atterrit évidemment sur la plage. Je vais vous conduire au poste de secours. Essayez de marcher.
Je rappelle que nous sommes donc sur un remastered d'un jeu sorti en 2003, pour le coup. Donc c'est plutôt bien remastered. C'est pour ça que je vous invite à mettre en Full HD. Ils ont gardé la patte originale de l'époque. Et très honnêtement, c'est pas dégueu. Honnêtement, c'est pas dégueu. Et le cel shading, je trouve, ça vieillit à merveille. Donc, pour le coup, rien de choquant. Hélène, c'est Janet. Je viens de récupérer un blessé sur la plage de Brighton. Il n'a aucun papier sur lui et il ne se souvient de rien. Je voudrais lui faire passer un scanner rapidement. Tu as un créneau ce matin? Dans une heure. Parfait, je te l'amène. Alors, toujours aucun souvenir? Regardez, j'ai trouvé cette clé dans votre poche. Ça vous dit quelque chose, la Winslow Bank? Tenez. Qu'est-ce que c'est? Bon, là, de mémoire, elle prend sa part. Oh non, la pauvre. Oui, c'est un jeu sans pitié. Allô? Ouais, c'est pas le moment. Alors, c'est un jeu. Sors de là, mec! C'est un jeu qui ressemble énormément à James Bond à l'époque, et ça, je peux vous dire que ça manque. Mais c'est pas qu'un jeu d'action, c'est aussi un jeu où quand vous mettez une tête, ça va faire comme les bandes dessinées. J'avais trop kiffé à l'époque. Ça fait vraiment comme la BD, hein. Je pense que vous l'aurez compris d'ici là. Et c'est un jeu qui mélange action, mais pas que. Il y a énormément de phases d'infiltration vraiment bien faites. On peut prendre tous les objets pour les jeter. On va essayer de le faire. L'infiltration est plutôt cool, parce qu'on peut vraiment faire des phases entières sans... On peut faire des phases entières. Excusez-moi, je me concentrais. Oh, trop bien. Y'a rien. Ok. Là. Des phases entières sans se faire cramer. Voilà, excusez-moi, j'avais du mal. Petite AK. La base. Ok. Pour changer d'arme, appuyez sur 1 ou 0 ou maintenez tab appuyé. Très bien. Alors attendez, parce qu'en vrai le jeu est pas si simple que ça pour le coup. Et je ne sais pas pourquoi. Où est ma touche accroupir? C'est terrible. On va y aller. Oh la vache, on a eu chaud. Ok, gilet pare-balles. C'est vraiment les affichages à l'ancienne, hein, les amis, hein. Je rappelle que c'est un jeu de 2003. C'est un jeu qui a presque 20 ans. Donc c'est un jeu littéralement à l'ancienne. Oh bien. Nouvelle entrée de dossier. Attendez, je vais voir la touche pour m'accroupir. Ok, c'est bon. J'ai réussi à trouver ma touche pour m'accroupir. C'est tout simplement bindé sur ma souris. Ok. Bon, là, on n'a plus rien à faire. Oh là là, ça me rappelle tellement de souvenirs, les amis. Vous n'avez pas idée à quel point réellement, pour le coup, ça me rappelle une époque totalement folle. J'étais mini b-boy. J'avais sûrement 13 ans quand j'avais fait ce jeu à sa sortie. Regardez, c'est pas trop stylé. Et il y a beaucoup de faces comme ça quand vous mettez une tête au sniper. Ça fait en mode headshot. Regardez. Ok. On voit toutes les actions. Faut vraiment regarder partout. C'est ça qui est ouf. Ah mais j'ai vraiment les amis, ce jeu m'a vraiment marqué. C'est un classique. C'est un putain de classique. D'ailleurs, à quand la suite? Même si je l'attends je l'ai attendu très longtemps, la suite, qui est malheureusement jamais sortie. Et la vie descend, hein. On est en mode normal, hein. La vie descend, hein, mine de rien. Bon après, j'avoue que je fonce un peu comme un boubours. Mais là, avec la musique, tu ne peux pas la jouer infiltration. Tu es obligé un petit peu de courir. Je crois qu'on peut, prendre... Attends, ça, il y a moyen que ça... Ouais, il y a un monde. Mais voyez les petits affichages, genre les booms, les ouch. C'est trop stylé.
Il y a des armes, je crois que de mémoire, il y a des akimbo. Ok, qu'est-ce que c'est? Ah oui, on peut planquer les corps et tout. Oh là là. Ah, j'ai un pompe. Ok. J'avais oublié, on peut prendre tous les corps pour les cacher. En même temps, pour les phases d'infiltration, il n'y aura rien de mieux, je pense. Ok. Et je crois... Quoi? Oh là 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 là. On va se la jouer un petit peu Chuck Norris. Évidemment. Donc on est à la recherche de notre passé. Direction New York. Et il y a encore le flashback de la sauveteuse qui s'est malheureusement fait arracher devant nos yeux. Ok, on va voir ce qu'il y avait dans le coffre. Souvenez-vous, j'avais la clé. Alors, accéder à la salle des coffres, ne pas tuer le personnel de banque. Donc, des fois, il faudra jouer en les assommant. Monsieur Roland, cela fait si longtemps. Ok. Vous désirez consulter votre coffre, je suppose. Donc. Puis-je récupérer votre clé? On vient d'apprendre qu'on s'appelle Monsieur Roland. Peut-être si notre nom de code. Suivre. Bien sûr que je vais te suivre. Bon, évidemment, on n'a pas d'armes sur nous, hein. Ok. On va voir ce qu'il y a dans ce coffre. Le système de sécurité de la banque a été renforcé. Je kiffe l'aspect BD. Le cell shading, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas le cell shading. Mais depuis gamin, je trouve ça tellement ouf, quoi. D'ailleurs, si vous avez joué à 13 à l'époque... n'hésitez pas à dire vos meilleurs souvenirs en commentaire. Et si vous n'y avez pas joué, est-ce que ça vous intrigue un petit peu? Hello James, Monsieur Roland voudrait accéder à son coffre. Bonjour Monsieur Roland. Il se trouve toujours au fond de la salle. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je m'en souviens plus du tout. Je vous avoue que je suis en suspense. Ok. Ah, quand je vais à ma banque, à mon coffre, les gars, c'est pas grand comme ça, hein. Appelez-moi dès que vous désirez sortir. Ok. Ah! Ok. Harrington avait raison. Ils ont mordu à l'hameçon. Regarde toutes ces preuves. Ces documents ne doivent pas tomber entre leurs mains. Et on les aura. Du numéro 20 au numéro 1. Ah. Et ta mission sur ce mystérieux bateau? Je rappelle que je suis numéro 13. C'est encore une idée de cette fille. À ta place, je me méfierais. Je ne la sens pas. Donc on était sûrement un double agent. Très bien. Vas-y, amorce la bombe. Ok. Je suis mort. Ok. Très bien. Je sais pas trop où je vais. Je suis tombé dans mon propre piège. Je rappelle que doublage emblématique, évidemment, et classique. Je pense que beaucoup l'auront reconnu. Les auront reconnu. Oh oh. Je ne comprends rien au système de sécurité.
Comment on abaisse les grilles? Ok. Eux, je le prends en otage, c'est... Coup dans la carotide, évidemment. Bon, là, c'était plutôt dans les fesses. Donc, phase d'infiltration. Ah oui, regardez. C'est trop bien. Vous avez vu? C'est pas trop bien. Attendez, parce que faut que je tue personne. Hein. Oubliez pas, ne pas tuer le personnel. Pas de panique, je vous en prie. Ok. Oh, c'est trop stylé. Ça y est, j'ai envie de... J'ai envie d'y jouer des heures et des heures. Merde, fallait aller à l'autre bout. Oh non. Est-ce qu'il y a un monde où on se le fait? Ok. Attends, on peut courir avec la chaise dans les mains, incroyable. Oh, toi, tu vas prendre un coup de chaise. C'est trop bien fait, j'adore. Oh putain, il va venir ici, je crois. Non? Il arrive. Ok. Bon, beaucoup d'argent. Où peut-il bien se cacher? Quelque chose à l'heure! Oh non! Oh, c'est tendu, hein. C'est tendu, hein. J'essaye de faire l'objectif, de pas tuer la sécurité. Ils sont pas méchants, finalement. Ok. On a eu très très chaud cette phase-là. On a un peu déconné, je vais pas mytho. Oh putain. On va le prendre en otage. Tu voulais que je prenne un otage? Ok. Ok, carte magnétique. C'est pas trop bien fait, les gars. Vous permettez de traverser une zone pleine d'ennemis. Tant que vous gardez l'otage entre vous, ils ne tireront pas. Hop, belle cascade. Oh la vache, le salaud. Tu vois, tu tournes un peu la tête. Eh, on n'avance pas, toi, petit. Bon, je fais quoi? Je me débarrasse de la dame? Ok. Oh non. Oh, c'est de l'autre côté, j'ai le seum. Ok, on va se le faire tout le long. Je peux... Alors attention, hein. Je peux ne lâcher l'otage et faire autre chose. Il profite de mes angles morts.
Non mais ah! On n'est pas obligé de jouer tout le long avec l'otage. Wow, wow, wow. Calme, 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 les gars, calme. Quoi? Oh, c'est trop dur. Oh, c'est trop dur. J'essaye, mais je vous jure que c'est dur. Oh non, je suis mort. Je suis mort. Oh! Impossible. Impossible. Ok. Désolé, madame. Vraie bagarre. Ok. J'essaye. C'est dur, hein. Oh non. Oh non. Oh non. Ah! Let's go. On a réussi, on a tué personne. C'était pas évident. Steve Roland, je vous arrête pour le meurtre de William Sheridan. Donc il m'accuse d'avoir tué le président des États-Unis d'Amérique. Steve Roland, je vous arrête pour le meurtre de William Sheridan. Vous avez le droit de garder le silence et de refuser de répondre à mes questions. Tout ce que vous direz, vous avez tout mis et contre... À quoi bon un avocat? Je ne me souviens de rien. Je lis votre déposition, vous ajoutez même « ne pas vous sentir l'âme d'un meurtrier ». C'est touchant, mais vous conviendrez que je ne peux pas me contenter de tels arguments. En revanche, j'ai ici une preuve accablante. Emery, les images s'il vous plaît. Regardez ce cliché. Vous voyez l'impact derrière la tête ? D'où la balle est-elle partie, à votre avis? L'immeuble, là. Regardez. Pile dans la trajectoire. Et qui voilà? Bien. Dois-je aller vous chercher un miroir? Ou allez-vous enfin avouer l'assassinat de... Agent Scott sur la une. Alors, ce dossier? Mauvaise nouvelle, colonel Amos. Le dossier militaire de Steve Roland a disparu du Pentagone. Là-bas, ils affirment que votre homme a bien été tué lors d'une mission il y a plus de 2 ans au Mexique. Eh bien, on va pouvoir rassurer la veuve. Mais en attendant d'annoncer votre résurrection, capitaine Roland, nous allons... Que se passe-t-il ici ? Vise les menottes. Ravi de te retrouver, Steve. Bon, bah même si au FBI c'est la merde, je me demande bien comment on va faire. C'est encore... La mangouste à retrouver. Rejoins-moi sur le toit de l'immeuble. La mangouste. Mais pas de carton sur les agents du FBI, hein. Ok. Donc, objectif, aller sur le toit de l'immeuble. La fille de la banque. Et surtout, ne pas tuer... Ah mince, attendez. Ne pas tuer d'agent du FBI, évidemment. Plaisant. Mais attends, ça a juste fait sauter la porte ou... Hein ? Quoi ? Et on va s'arrêter là. Ils savent seulement à qui ils ont affaire. N'oubliez pas,
le j'aime et le commentaire. J'espère que ces 20 minutes, ces 20 premières minutes de jeu vous ont plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment kiffé retourner dedans. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je suis... Pardon ! Voilà ! Je suis échoué. Objectif échoué ! J'ai tué un innocent ! Allez ! À bientôt tout le monde ! J'espère vraiment que j'étais captivé par le jeu. J'espère réellement que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être allumé la petite lumière de curiosité autour de 13. Bisous tout le monde ! À bientôt, bye bye !